Bonjour, mon nom est Jacques Mathieu, je suis professeur retraité de l'Université Laval. Je veux vous parler de la vie d'Olivier Elzéar Mathieu, sans lien de parenté avec moi, natif de Saint-Roch à Québec, mais qui est devenu évêque de Regina en Saskatchewan. On sait tout de sa vie, pour ainsi dire. J'ai 6000 pages de documents. De sa naissance à Saint-Roch, comme étudiant au petit séminaire de Québec, on connaît les cours qu'il a suivis, les diplômes qu'il a obtenus et surtout son activité dans les associations étudiantes. Il est devenu professeur après coup. On voit son objectif, rendre l'utile agréable aux étudiants. Et il a changé les cours de philosophie. C'est encore la philosophie qui est enseignée de nos jours, celle de saint Thomas d'Aquin. Après coup, il est devenu recteur de l'Université Laval. Il a fait 3 mandats. La principale réalisation, je pense qu'on pourrait appeler ça l'internationalisation du savoir. Par exemple, un médecin formé à Toronto peut-il pratiquer au Québec et vice-versa? Il a fallu donc une très étroite concertation, relation aussi avec le milieu politique. Il a été un ami intime de Wilfrid Laurier. Et même au plan politique, on peut ajouter que c'est lui qui a fait changer la formule d'assermentation royale en Angleterre pour qu'elle puisse reconnaître les valeurs et les dogmes des catholiques francophones du Canada. Enfin, il est à Regina, un lieu en voie de développement considérable, multiculturel, anglais, quelques Canadiens français, beaucoup d'Allemands, des Polonais, des Ukrainiens. Son grand fait dans l'Ouest, la reconnaissance du fait français, la création d'écoles, de couvents, d'hôpitaux. Il a des réalisations donc absolument majeures qui sont encore tout à fait pertinentes de nos jours. Au total, je dirais, dans le livre que j'ai écrit, qui est d'une grande ampleur, je me suis inspiré de son mentor, Saint-François de Sales, et pour rendre la lecture plus agréable, en écrivant au maximum 2 pages par fait historique qui est raconté. Voilà la vie de ce merveilleux personnage.